Hier, nous avions parlé de Joseph du Nouveau Testament, comment il était attentif et sensible au Saint-Esprit. Le Joseph du Nouveau Testament avait reçu quatre rêves, et ces quatre rêves, c'était des rêves efficaces, des rêves très édifiants qui ont permis à ce que cet homme soit aussi, que son nom soit marqué dans la Bible. S'il n'avait pas été sensible au Saint-Esprit, son nom ne se figurait jamais dans la parole de Dieu. Mais il a été sensible au Saint-Esprit, il a écouté et il a fait pas à sa part ce que Dieu lui avait demandé. Nous étions dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, puis au chapitre 2e. Nous avons regardé comment l'ange de l'Éternel lui a parlé. Après que les mages soient passés, l'ange de l'Éternel lui a parlé en songe. Il a dit, prends le petit enfant ainsi que sa mère va-t'en en Égypte. Il avait suivi une direction qui était bien déterminée par le Seigneur. Il avait suivi la voie de l'Éternel et la direction de l'Éternel. Nous devons être sensibles, faire ce que Dieu nous demande à l'instant qu'il nous demande. Souvent, il peut nous parler, on vient réagir avec en retard. Et en retard, on risque de perdre ce que Dieu voulait que nous puissions avoir. Il te dit de gérer maintenant, gère maintenant. Entre à prière cette année, fais cette année, n'attends pas l'année prochaine. Il te demande quelque chose, fais-le. Fais une offrande, fais cette offrande. Alléluia. Il y avait un dimanche que le maman Fatih était ici. J'avais donné une prophétie dans 3 jours, Dieu m'a fait. Et j'avais dit de sceller la prière. Beaucoup n'avaient pas scellé. J'étais attentive, moi, et je voulais voir les gens sceller la prière. Les gens ont été contents qu'il y ait dans 3 jours, il y aura des miracles. Mais après 3 jours, c'était les catastrophes qui s'étaient manifestées. Pourquoi? Parce que les gens, on aime que Dieu nous donne, mais on n'aime pas sceller sa parole. Quand Dieu dit scelle, scelle. Alléluia. Et cette semaine, au lieu qu'il y ait des bénédictions, il y a eu des catastrophes. Moi, j'avais compris. Beaucoup de gens venaient me dire, ah, il y a ça. Mais j'ai compris. Les gens n'ont pas scellé. Quand Dieu te dit de sceller, même si c'est un petit chiffre, scelle cette prière. Joseph, on lui avait parlé tout de suite. Il a agi. Et la même nuit, il est sorti avec l'enfant. S'il avait entendu le lendemain, Hérode avait commencé à massacrer les enfants. Jésus a été tué. Et son nom ne figurait jamais dans la Bible. Il a saisi l'opportunité. Quand en Égypte, l'ange lui a dit rentre, il est rentré. Il a pris l'enfant et la mère, ils sont rentrés. Là, arrivé, l'ange lui a dit ne va pas à Bethléem, va maintenant à Nazareth. Pourtant, quand ils sont partis de Bethléem. Mais en retournant, les avait dit de prendre la direction de Nazareth, ils sont partis à Nazareth, afin que ça s'accomplisse d'abord qu'ils disaient quoi? Jésus de Nazareth. Alléluia. Il suivait à la loupe ce que l'ange lui disait. Souvent, on peut se dire, ah non, Dieu, on n'a pas fait. Dieu a voulu faire. Toi, tu as empêché la main de Dieu d'agir. Amen. Et il n'est jamais tard. Si tu sais encore, tu vas encore voir. Alléluia. Si tu sers ta prière, Dieu va faire. Dieu va se glorifier. Peu sont ceux qui se sont rattrapés. Peu. Amen. Vaut mieux tard que jamais. Amen, amen. Et Joseph avait été béni à cause de son obéissance pour le Seigneur, à cause aussi de sa sensibilité au Saint-Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Des fois, Dieu parle, mais on ne saisit pas. On n'est pas sensible, on les laisse passer outre. Ça ne nous touche pas, ça ne nous fait rien. Soyons sensibles que ça nous touche et que ça produise des effets. Tu vas voir quelqu'un qui reçoit la parole, après, comment ça va raconter la parole, si c'était vrai qu'il y avait, Dieu qui avait parlé. Dieu a parlé pour de vrai, mais la personne commence à avoir un grand doute. Parce qu'il n'était pas sensible, il n'était pas attentif. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Écoutons ce qu'on nous dit. Ne discutons pas avec Dieu. Ne résistons pas avec Dieu. Mais elle, Joseph n'avait pas résisté. Joseph n'avait pas douté. Il n'avait pas entendu. Il a fait ce que Dieu, l'Éternel, lui parlait. Alléluia. Il faut me dire, non, Dieu n'a pas été vraiment mes attentes. Dieu répond à ce que nous voulons. Mais c'est nous qui ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. On ne saisit pas ce qu'il nous veut. On est aujourd'hui dans le livre de Genèse encore, on va tout de Joseph de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 37. On commence au verset 12e jusqu'au verset 36e. Ça serait un peu long, mais on va lire. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre les troupeaux de leur père,
Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bonne santé, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Et l'homme le raconta comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils vont perdre leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tions-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces chants de songes. » Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères écoutèrent. » Au passant des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qu'ils amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais ils ne voulurent recevoir aucune consolation. Ils disaient, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. Ici, si nous voyons la vie de Joseph. La Bible déclare que Joseph était avec son père et son père avait envoyé Joseph, il a voulu envoyer Joseph auprès de ses frères. Nous avions vu la fois passée comment Joseph il travaillait d'abord avec ses frères et comment il était avec ses frères et comment il se comportait avec ses frères. Joseph travaillait ardemment avec dans la ferme de son père, dans le troupeau de son père, dans la bergerie de son père. Et la Bible déclare qu'il donnait des rapports à leur père. Il avait les rapports des troupeaux et les rapports de ses frères. Et la Bible déclare que ses frères avaient des mauvais propos, ils faisaient des mauvaises choses. Et Joseph donnait des rapports. Mais ici, là, la Bible est en train de nous parler, ses frères sont partis perdre loin. Ils ont quitté la maison, ils sont partis perdre à Sichem. En quittant la maison, ils ont dit qu'ils sont partis à Sichem pour perdre le troupeau. Mais écoutez ceci. Depuis qu'ils sont partis, ils n'ont apporté aucun rapport. Ils n'ont fait mention ni de eux-mêmes, ni du troupeau de leur père.
même vivre dans, dans le libertinage. Laisse-moi te dire, une vie de libertinage, c'est pas uniquement le vivre dans le mystère. Nous avons dit, après la délivrance, nous devons mener une vie de discipline. La discipline sans discipline n'est pas une discipline. Une discipline doit être disciplinée. Alléluia. Nous devons être des gens qui savent donner le rapport. Non pas des gens qui veulent vivre dans le libertinage. Non pas être des gens qui veulent faire ce qu'on veut faire. Mais nous devons être quand même des gens qui doivent donner des rapports, sachant qui nous a donné un mandat, qui nous a donné un travail, qui nous a donné une mission à accomplir. Et nous devons accomplir cette mission-là. Il y en a des gens qui veulent travailler dans les fêtes de l'œuvre du Seigneur, travailler comme ils veulent, faire ce qu'ils pensent et faire ce qu'ils veulent. Qu'il y ait personne qui va les suivre, qui ne donne aucun rapport, ils ne font aucun rapport, ils ne veulent donner de rapport à personne. Il n'y a aucune compagnie où tu travailleras sans donner des rapports. Même ta propre compagnie, le gouvernement te réclame les rapports. Alléluia. Tu es travailleur autonome, tu dois faire les déclarations d'impôts. Tu dois donner des rapports. Combien tu as gagné l'année? Mais il y a des gens qui sont mal habitués, indisciplinés. Dans la vie, bien aimé, si tu veux monter, tu veux devenir grand, tu veux faire des exploits avec Dieu, tu es quelqu'un qui doit toujours donner des rapports. Si tu ne donnes pas des rapports, on t'enverra les inspecteurs. Allô? Allô? Même dans l'air, on dit Seigneur, tu ne veux pas donner des rapports, on va t'envoyer un inspecteur. Dans l'église où moi j'ai évolué, on avait des pasteurs, on avait des inspecteurs provinciaux. Quand un inspecteur provincial descend sur le terrain, il vient regarder comment toi, pasteur provincial, tu gères la province, toutes les paroisses de la province. Comment tu te comportes avec les brebis? Qu'est-ce que les brebis disent de toi? Quels sont les rapports? Est-ce que tu donnes ce qu'il faut? Est-ce que tu travailles comme il faut? Il va assister, il va essayer de faire des réunions, rencontrer les anciens, rencontrer les pasteurs, demander les informations. Et souvent, ils ne viennent pas les portes des gens, ils viennent quand ils ont déjà eu des rapports. Il vient faire maintenant l'inspectorat et faire aussi maintenant des recherches et questionner les gens. Tous ceux qui ont vécu les rapports, ils vont les demander. C'était comment à ta présence, explique-toi. Si tu ne sais pas t'expliquer à l'âge, tu vas te demander, on avait ça rentré au garage. Donc tu manques des fonctions. On ne te met pas dans une paroisse, on te rentre dans la direction. Sans fonction. Tu es pasteur et sans fonction. Alléluia. Et c'était une bonne église qui nous avait bien éduqués. On a marché, nous avions grandi dans la discipline. Dans notre église, il y avait la discipline. Alléluia. Et on savait respecter ça. Dans la chorale, les gens de la chorale doivent respecter leurs dirigeants. Et ces dirigeants qui travaillent mal, si les rapports arrivaient qu'ils travaillent très mal, on l'enlève, on met une autre personne qui est compétente. Alléluia. Mais les gens n'aiment pas aujourd'hui qu'ils soient supervisés. Même au travail, il y a des superviseurs ici. Ah, lui, là, il est tout le temps derrière moi. Quand tu es tout le temps derrière toi, améliore-toi, travaille de mieux en mieux, il va manquer où t'accuser. Amen. Quand il va manquer ou t'accuser, même s'il t'accuse, tellement que tu travailles bien, il y aura des témoins parce que l'inspecteur ne viendra pas non plus t'escalader comme ça. On viendra inspecter, de regarder ton rendement. Si tu travailles bien, ça peut même t'apporter le problème grâce à la promotion. Bon, parce qu'à un certain moment, on les critiquait. Et un jour, nous étions en chaîne, nous étions partis prier pour lui. Nous étions avec lui en prière. On a prié, quand on a fini, mais on prenait un taxi. On est rentré dans le taxi. Dans ce taxi-là, il y avait une étiquette qui était écrite « J'aime ceux qui me critiquent quand ils font ma publicité. » Les pasteurs étaient déjà tristes. Ils s'inquiétaient, ces gens-là, qui a fait du bien pour qu'on les critique, pour qu'on parle du bien de lui. Ça l'inquiétait au-dedans de lui, mais il ne le disait pas vraiment beaucoup. Il disait vraiment « Je ne comprends pas les gens. » Les gens, tu peux lui faire du bien, mais toujours, ils vont te parler du mal, ils vont te rendre du mal. Mais ça les rongeait, on voyait que ça les rongeait, mais ils ne disaient pas grand-chose. Et nous, on priait pour lui, Seigneur, donne la force à notre pasteur. Quand on a fini les jeunes et prier, on rentre dans le taxi, il a lu cette étiquette. J'aime ceux qui me critiquent, car ils font ma publicité. On était assis à l'avant, il a crié, yes! C'était comme s'il venait de ramasser de l'argent. Nous avons dit, c'était quoi? Il a dit, mais vous ne lisez pas si. On dit, mais oui, on dit. Pour nous, ça n'avait pas d'importance. Et puis, il nous a expliqué, il a dit, j'aime ceux qui me critiquent parce qu'ils font ma publicité. Même ceux qui ne connaissaient pas, à partir de leur critique, ils vont avoir la curiosité de savoir qui je suis. Et quand ils vont m'approcher, ils sauront qui je suis. Ça nous avait beaucoup béni. Tous nous avons détenu cette étiquette-là. J'aime ceux qui me critiquent. Quand ils font quoi? Ma publicité. Alléluia. Ça nous avait édifié. Il faut toujours être. Quand on te critique, ne sois pas toujours découragé. Essaie de t'améliorer. Dans la vie, il faut savoir donner des rapports. Ne sois pas une personne totalement indépendante. Oh, les seigneurs sont libres. La vie n'est pas quoi? Ceux qui sont dans les seigneurs sont quoi? Ils sont libres, n'est-ce pas?
Amen. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment enfants de qui? De Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? La liberté. C'est ce que nous disons souvent, non? Il y a la liberté, mais il n'y a pas le libertinage. Allô? Souvent, les gens aiment le libertinage. Je vais faire ce que je veux. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est libre. Ce n'est pas comme tu vas tout me mener dans les désordres. Tu dois respecter l'ordre établi. C'est pourquoi l'Église doit avoir de l'ordre. C'est pourquoi il y a les règlements d'ordre intérieur. Tu m'as dit dans l'église, les règlements d'ordre intérieur, oui. Partout là où il y a Dieu qui doit avoir de l'ordre. Même la parole de Dieu ici, c'est le règlement d'ordre intérieur de la parole de Dieu. Alléluia. Les frères de Joseph sont partis, ils ont dit qu'ils sont partis à Sichem. Regardez comment ils se comportaient mal. Ils disent à la maison qu'ils s'en vont aussi percer, mais ils n'étaient pas aussi percés. Ils disent qu'ils sont à Sichem, mais ils n'étaient pas à Sichem. Ils ont resté quelques minutes à Sichem et puis ils sont partis où? À Dothan. Sichem, ça veut dire les poils. Ils ont bien peur qu'ils sont partis où? À l'épaule. Vous savez, quand on disait aux sacrificateurs qu'ils vont manger l'épaule, souvent, ça prend cette partie, un peu de quoi cette poitrine, hein? Ça prend une bonne viande aussi. Alléluia. Même quand tu prends l'épaule de la vache, il y a des bons morceaux là-bas. Il y a des bons morceaux de viande, des bonnes chairs. Et ils ont dit qu'ils sont partis à un bon endroit, à un endroit périssant. Mais ils sont descendus où? À Dothan. À Dothan, ça veut dire deux puits. Ils sont sortis de l'épaule pour aller dans une fosse, dans un puits. Beaucoup de gens, ils jouent avec leur vie. Ils sortent dans une bonne adresse pour aller dans un gouffre, dans un puits, dans une citerne, dans une tombe. Il était à l'épaule, il était visible, il s'en va maintenant dans la s'enfonçant davantage. Il était visible, il s'en va dans l'invisible. Ils sont de l'espace visible, ils s'en vont dans un espace invisible. Ils descendent plus bas. Il est dans l'extérieur, il tombe plus bas. Il ne tombe même pas sur le plancher, il traverse le plancher. La cité ne s'est pas au niveau de l'espace du plancher, c'est en bas de la terre. Ils quittent Sichem pour aller à Dothan. Ils n'ont pas averti leur père. Le papa, il continue à prier pour Sichem. Quand tu quittes la bonne adresse, tu t'en vas à une mauvaise adresse, tu n'as pas donné cette explication. On peut orienter une prière à ta direction, mais ça ne va pas te toucher parce que Dieu est déjà plus à cet endroit-là. Rappelez-vous, il y a Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu appelle, où es-tu? Oh, je suis là et je me suis caché. Nous avons entendu ta voix et nous sommes cachés parce que nous sommes nus. L'endroit où Dieu était venu les chercher, c'était l'endroit où ils se rencontraient chaque soir. Mais ils se sont déplacés, ils ont quitté l'adresse. Mais ils n'ont pas signalé, ils n'ont pas donné le port. Alléluia. Des fois, on va te chercher là où on t'avait laissé. Tu n'es plus là-bas. Tu as déjà changé d'adresse, mais tu n'as pas signalé. Même à la chanson que nous avons chanté au conseil, on me dit, ne me cherchez plus là-bas, j'ai changé mon adresse. Mais toi, tu as changé ton adresse, tu n'as même pas signalé. Mais à la chanson, même on a signalé l'adresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il quitte, il ne laisse pas de traces. Il s'en va, on ne sait même pas où est-ce qu'il est parti. À quelle église, à quel endroit, à l'adresse de qui, à quelle famille, à quelle affaire, on ne sait pas. On venait prier pour l'ancien affaire qu'on savait. Seigneur, bénis ses affaires ici. Il était mis cette semaine, il est devenu peut-être un autre. L'agisseur prochain. On prie pour toi, vraiment, tu n'es pas cette adresse-là. Amen. Je suis à tel endroit, à telle adresse à l'hôpital. On continue à envoyer la prière à cette adresse-là. Tu n'es pas cette adresse à l'hôpital. Tu es déjà descendu chez les fichiers. On te cherche, mais on ne te trouve même plus. Même la prière ne te localise plus. Laisse à ce que tu sois dans la localisation de Dieu au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont les chercher, mais ils ne sont plus localisés. L'enfant est sorti de chez eux, il est descendu là où la place qu'on avait donnée. L'enfant s'est trouvé dans les champs, il n'y avait pas de frère, il a commencé à livrer. Il y a des gens qui peuvent aussi faire des erreurs à d'autres personnes, qui vont faire que d'autres personnes perdent leur temps, leur jour, à cause de les chercher, à cause de eux. Toi, tu veux le rendre du bien, mais lui, il n'est plus à l'adresse que toi, tu voulais lui donner. Tu voulais lui raconter, mais tu n'arrives pas à le raconter parce qu'il a changé d'adresse. Quand toi, tu te déplaces, qu'est-ce que tu signales ton adresse? Qu'est-ce que tu donnes de rapport? Quand tu veux améliorer quelque chose, ou bien tu veux changer une chose, est-ce que tu donnes ton adresse de rapport? Des fois, on ne donne plus de rapport, on sait nécessairement échanger, on change. Et on laisse les gens maintenant dans les dames, qu'est-ce que c'est? Les frères de Joseph ont quitté, mais comme c'était son sang, les pères de Joseph ne
ne pouvait pas non plus arriver à dire que non, je laisse ses mains qui partent. Il savait c'était ses enfants. En plus, il avait son troupeau. S'il perd, il perd double. Il fallait qu'il puisse aller les suivre. Il envoie maintenant Joseph. Joseph qui descend. Joseph était ponctuel. Il a dit, Joseph, viens, mais voici. Bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse t'élever dans la vie, sois prêt à tout. Souvent, on attend qu'on nous donne ce qui est à nous. Peut-être que ça n'existe pas. On peut arriver à arracher ce qui était à autrui. Allô? Est-ce qu'on se comprend dans ce langage-là? La Bible déclare quoi? On arrachera celui qui avait et on donnera à une autre personne. Et on arrachera à celui qui n'avait même pas. Et on donnera à celui qui avait. Joseph avait des visions. Il fallait qu'on vienne chute à côté d'autre. Amen. On l'appelle. Il se plaint, il me voici. Quand toi tu on t'appelle, on te donne des fonctions, des responsabilités, tu es toujours occupé. Tu as toujours des excuses. Même pour venir à l'église, excuse. Pour venir prier, excuse. Pour je ne sais pas me ministrer, excuse. Donc, tu veux quoi? On va te donner quoi? Alléluia. Regardez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je me suis converti. J'ai commencé tout de suite à l'intercession. Je venais de me convertir, j'ai reçu le Seigneur, le même jour, on m'a demandé que non, la semaine prochaine, le pasteur vient faire la campagne, est-ce que tu vas te porter garantie pour faire partie de l'intercession? J'ai dit oui. Tout de suite, je suis rentré dans l'intercession. Une semaine après ma conversion, je suis rentré dans l'intercession. J'ai commencé à prier, la campagne s'est bien passée, et nous avons continué à prier pour notre pasteur. On a dit que le pasteur va faire le voyage missionnaire, tout ça, on va le soutenir la prière. Qui va le soutenir? J'étais là. Quand on a ouvert l'église maintenant, on avait amené les pasteurs, on a formé les modérateurs, on a formé les, je sais pas, les responsables, les interprètes. Moi j'étais là, mais on ne m'avait pas choisi. Mais je voulais faire. Alléluia. Mais j'étais tous les jours à l'église. Je n'avais jamais aucun service. Amen. Malade ou pas malade, j'étais présent. Et un jour maintenant, on voulait on voulait faire la modération. Les modérateurs étaient absents. Maintenant, ici, ils ont commencé à paniquer. Celui qui devait prêcher, il était peu désigné là. Maintenant, qui va m'enterrer? Jean, est-ce que tu peux le faire? Je n'avais jamais suivi la formation des ordinateurs. J'ai regardé seulement comment il faisait. J'ai dit oui, je vais le faire. Maintenant, j'ai commencé à parler, ça passe au moins. On commence par là. Je remercie le Seigneur, on demande pardon. Et puis, on va dire, je vais faire. Amen. J'ai fait la modération. Après, on dit, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Merci beaucoup. J'ai dit, maintenant, dans les programmes des ordinateurs, on a ajouté mon nom. Et un jour comme ça maintenant, les pasteurs étaient déjà prêts, les modérateurs étaient là, allez, l'interprète n'est pas là, parce que le pasteur il prêchait en français, il fallait interpréter en lingala ou en swahili. L'interprète n'est pas là. Et on est fait écouter, il n'est pas là. On parle et cherche, on dit que non, il est occupé, il ne va pas arriver. Il n'avait pas signalé. Maintenant qui va interpréter? Les autres ne connaissaient pas les swahili. Jean, est-ce que tu peux faire? Oui, je peux le faire. Allez, viens. On commence. J'étais à la page. Des fois, quand même, il disait un verset. J'ai retrouvé déjà les versets et je disais même la suite du verset. Ah! Et parce que Maïa n'a pas apprécié, il a dit ah, il a bien fait le job. Quand il n'y avait pas de quelqu'un, on me prépare. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais me présenter. C'est comme ça qu'on a commencé à me mettre dans la liste. Alléluia. Et on ne peut pas peut-être te donner ce qui est à toi, mais tu peux faire violence de la voix. Sois toujours présent et sois toujours disponible. Alléluia. C'est ainsi que tu envoyais ici quand j'ai commencé à former les modérateurs et ainsi les présentateurs. Quand je te mets au programme, tu n'as pas signalé la cause de ton absence. Tu t'absentes comme ça. Oublie que je te mettrai des voix. Tu sors de la liste. Alléluia. Parce que tu ne prends pas en considération ce qu'on t'a donné. Joseph, on a dit, mais voici. Amen. Pour que tu montes avec le Seigneur, même dans les ministères, sois présent, sois disponible. Frère, va prier. Pardon. Je ne suis pas prêt aujourd'hui. Priez, je n'ai pas prêt pour prier. Alléluia. Alléluia. Comment vous les répondez? Alléluia. Amen. Frère, tu vas prier. Tu vas voir quelqu'un, il prend son sac, il part. Et puis il dit un peu, pasteur, pourquoi tu vas visualiser comme ça? Cette personne-là, tu penses qu'il va servir le Seigneur. Il sort de la liste,
Donc déjà exclu. Quoi? Bas rouge. Vous préparez. Amen. Il ne va plus monter. Mais une personne, tu le mets, même s'il va chercher les mots, mais il se débrouille. Il est Seigneur, il est écrit dans ces passages-là, hein, dans les passages-là, Seigneur, il est écrit, Seigneur, que toi tu péniras, papa tu péniras. Ah, tu dis, ah oui, c'est écrit. Amen. Il a prié le passage, mais il sait quelque part que c'est écrit. Même si ce n'est pas écrit, il y a d'autres passages. Il est écrit dans la parole de Dieu, il n'est même pas écrit. Mais il se débrouille. Alléluia. Il est écrit, ce qui a révélé qu'on allait monter dans ces versets, ça n'existait pas dans la Bible. La maison que les gens ont visité les bénis, ce n'est pas vrai. C'est pas un verset, c'est une déduction. On a dit que certains, en recevant les anges et en recevant les visiteurs, ils ont reçu les anges. On parlait d'Abraham. Mais ce n'est pas écrit que la maison des gens ont visité les bénis. Amen. Toute l'hospitalité, la Bible nous dit. Mais c'est une déduction. Mais tu vas voir que il est écrit, Seigneur, la maison qui reçoit les visiteurs, là, il est entré pour les visiteurs qui sont arrivés. Amen. Tu dis, ah oui, lui, quand même, c'est des bruits. Amen. Joseph, mais voici. Sois présent. Pointe-toi. Il a fallu que Israël pêche pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La perte des autres, c'est le profit des autres. Alléluia. Même dans le travail, même dans les ministères. La perte des autres, c'est pour le profit des autres. Quand quelqu'un fait une erreur, toi profites-en. Fais mieux des choses. Quelqu'un est absent, toi viens remplace-le facilement. Quelqu'un n'est pas encore présent, il est en retard pour la modération, monte à la chair, commence. Abraham, lui, il ne traîne pas. Quand il traîne, lui, il prend, déjà ta place. Et quand il prend ta place, moi, je vais te compter comme quoi? Absent. J'ai été proclamé, tu n'as pas répondu. Allô? C'est quand tu as une responsabilité, fais-le ta responsabilité. Amen. Débrouille-toi d'une ou d'une autre façon. Il ne faut jamais être plaintif. Ah, c'est parce que. Débrouille-toi pour essayer de couvrir ton trou. Quand même, tu n'es pas là, tout était mal pris. Amen. Allô, pasteur, aujourd'hui, je suis mal pris. Nanana. On va te comprendre, ce sont des humains. Ils ne sont pas des démons. Amen. Mais quand tu n'as pas signalé, c'est un trou. Allô? Et dans la discipline, là, je suis très. J'ai des rigueurs. Jacob a appelé mon Jean-Pierre Joseph. Joseph s'est pointé, il savait que papa, là, quand il appelle, il appelle. Il a dit, bon, voici maintenant donc tes frères, ils ont dit qu'ils sont partis à Sichem. Va les voir. Il a dit, je vais y aller. Et il est y allé. Arrivant là-bas à Sichem, ils n'étaient pas là. Ses frères, comme ils étaient toujours des vagabonds, ils n'ont pas été respectueux à leur engagement. Ils ont promis autre chose, ils ont fait autre chose. Sois fidèle à tes promesses. Faut sois fidèle à ce que tu dis. Sois fidèle à ce que tu fais. Ce que tu commences à faire, sois fidèle à ça. Et que quand on va te chercher, qu'on te trouve dans ça. Quand on va te chercher, qu'on te localise. Tu dis que tu t'en vas, je ne sais pas, au Carrefour, à Walmart. On cherche tous les Walmart, et de l'Est et de l'Ouest, on ne te trouve pas. Mais tu es où? Alléluia. Je suis parti chez mon ami. Ton ami t'aime. Quel? On te cherche là-bas, ce n'est pas là. Ou bien on te dit que c'est moi qui étais pasteur béni, tu l'as ramassé, vous êtes parti. Ou bien toi, tu l'as laissé, tu es parti. On ne sait pas aussi que tu es parti. Tu n'es plus fiable. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il a dit, il n'est pas fiable. Alléluia. Ses frères n'étaient pas fiables. Dans les ministères, soyons fiables. Promettons et réalisons. Même Dieu, il promet, fait quoi? Il les réalise. Il promet, il réalise. Tu vas voir quelqu'un, non. Il promet, mais il ne réalise pas. Il te dit qu'il va changer, il ne change pas. Il te dit qu'il va faire, il ne fait jamais. Il te promet, il te dit, je vais faire ceci, je vais te faire ceci. Il ne fait rien. Il fait que t'engouffrer, il fait que te piétiner, il fait que te chercher du mal. Joseph s'est retrouvé dans les champs, il a commencé à errer. Donc il commence à s'égarer. Les petits biens, il ne savait pas vraiment, mais il a accepté de partir malgré qu'il ne savait pas. Il ne connaissait pas vraiment la direction. Il a commencé à errer dans les champs. Il y a des gens qui vont te jeter dans les champs. Toi, tu prends la direction, mais tu vas te retrouver que tu es en train d'errer. Il t'a induit en erreur. Il a mal donné l'adresse. Alléluia. Discipline-toi. Fais des choses bien. Dis des choses comme il faut. Et avec que quand les gens vont inspecter, qu'ils trouvent ce que tu avais promis, c'est ce que tu es en train de faire. Joseph, il descend. La foi était fidèle, il était ponctuel.
Des fois, même quand tu dis que tu vas faire quelque chose, quand tu as dit, moi, voici, est-ce qu'il connaissait vraiment les chemins comme il fallait? Il ne connaissait pas vraiment. Mais il n'a pas refusé. Dans le ministère, même quand tu ne connais pas encore très bien, accepte d'abord. C'est en acceptant qu'on va te montrer là où tu as commis des erreurs. Et là, tu vas commencer à t'améliorer. Tous nous construisons en partie et nous nous améliorons davantage. On est tous à la recherche de la perfection. Amen. Même nous, nous sommes à la recherche de la perfection. Je ne dirais pas que je suis expert. Je ne dirais pas que je suis très extra. Il y en a qui me dépassent dans le ministère. Mais on s'engage d'abord. Dieu va t'aider dans ce que tu as déjà commencé à dire, emboîter la foule pour les pas. Tu ne veux même pas emboîter. Ah, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. On va te laisser, on va te toujours te mettre où? Des côtés. Mais quand tu dis que je veux faire, je suis capable. C'est encourageant. On va t'apprendre parce que déjà tu t'es porté 40. Quelqu'un qui se pointe déjà, il se porte 40, on va l'aider. Joseph s'était pointé 40. Il essaie de trouver dans les chemins, il s'est égaré. Il ne savait plus où aller. Mais Dieu sait, quand tu t'es déjà embarqué, quand il y a des choses que tu ne connais pas, Dieu va chercher à ce qu'il puisse lui-même te visiter. Dieu a envoyé un homme, dit un homme. Dans ton parcours, dans ton cheminement, là où tu n'es pas capable, là où tu as oublié, là où tu ne connais pas, Dieu enverra un homme, Dieu enverra un ange, Dieu va te visiter dans ton chemin, dans le parcours de ton ministère, dans le parcours de ton travail, de ta famille, de ton fiançailles, là où tu es bloqué, là où tu commences à errer, là où tu commences à ne pas vagabonder, tu ne sais pas où aller, tu montes, tu descends, tu montes, descends, tu n'arrives plus à évoluer. Dieu va t'envoyer quelqu'un, il va t'envoyer quelqu'un qui va te montrer la direction. Dieu ne te laissera pas seul. La Bible déclare que quand je t'appelle, ça va être l'ombre de la mort. J'ai été au cœur, mais quand l'éternel est avec moi, Dieu sera toujours avec toi. Dans les chemins, dans ton égarement là, Dieu viendra te chercher. Dans ton errance là, Dieu viendra te chercher. Il était tout seul dans les champs. Pas papa, pas les mamans, pas les frères et sœurs. Il était tout seul dans les champs, peut-être il avait mis des animaux féroces. Il n'avait pas peur. Il est parti. Ne sachant même pas ce qu'il a dans le chemin, il est parti. Mais Dieu, demande à ton voisin quel esprit cherches-tu. Tu as prié. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. 22e, 21e. 22e jour. Ah, c'est pas si vite. Moi, je pensais 21. C'est 21, je crois. Hein? C'est 22. Ah, bien. 21e. Oui, c'est un peu plus. Chaque dimanche, moi j'ai le 22e jour. 22e jour. Dans le 22e jour, que cherches-tu dans ces gens de prière? Ça, c'est la question que Dieu te pose. Joseph, il errait dans les champs. Nous sommes dans les champs de Dieu. On chantait une chanson chez nous. On disait quoi? Gomushamba ya baba Jehova mame Gomushamba Shamba ile ni roho yako Gomushamba ya baba Jehova. Nous sommes dans les champs de papa et de Yahvé. Alléluia. Maintenant tu es dans les champs. Qu'est-ce que tu cherches dans ces champs? Et nous sommes dans les champs de prière 30 jours, 40 pour certains. Qu'est-ce que tu cherches? Salomon, tu avais dit qu'un petit que je te passe. Salomon avait dit que donne-moi la sagesse. Il avait la réponse exacte. Joseph lui pose la question. Le verset dit, que cherches-tu? Joseph lui répond, je cherche mes frères. Ils ont dit qu'ils sont partis à Sichem. Est-ce que tu les avais vus? Montre-moi les chemins. Alléluia. Il avait la précision à sa demande. Quelle est ta demande? Dans ce jeu de prière, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, quand les gens ne font pas, les choses ne vont pas bien, bien. Cherches-tu, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Quand tu entres en prière, pour quel sujet tu es en train de prier? Quand tu fais les affaires, pourquoi fais-tu ces affaires-là? Quand tu cherches la voix du Seigneur, pourquoi les cherches-tu? Qu'est-ce que cherches-tu? Je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es dans cette prière? Pourquoi tu es ici à la vie parole de vie internationale? Même dans notre formulaire de mise à nu, on demande comment est-ce que tu es venu ici? Alléluia! Qu'est-ce que tu es venu chercher? Et on demande qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à ce jour si tu es à ta dépense? Qu'est-ce que tu veux? Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui commence à.
Bon, j'ai fait la délivrance. La délivrance, c'est vague. J'ai fait la délivrance. Alléluia. Quel est le problème qui te tracasse? On pose même la question. Quel est le péché qui te terrasse? Tu dois connaître, c'est quoi le péché qui te dérange? Tu vas faire quelqu'un qui te dit que non, moi je suis connu dans ma vie spirituelle. Mais quel est le péché pour lequel tu tombes sur moi? Amen. Laisse-moi te parler. Il faut que tu aies des précisions avec le Seigneur. Même quand dans ton errance là, quand tu retrouves les chemins, tu ne sais plus comment continuer, tu ne sais plus comment avancer, comment évoluer. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quand Dieu va t'apparaître, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres l'ange de Dieu, quand Dieu t'apparaît, il te demande qu'est-ce que tu vas lui répondre. Et toujours une réponse. Que cherches-tu? Même si c'est une liste. Bientôt, on va écrire notre requête de l'année 2020. En décembre, on va les remettre ensemble avec nos actions de grâce, les jours de 24. On va mettre sur notre enveloppe, nos listes de requêtes. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Amen. Que cherches-tu? Et Joseph avait la précision. Bien aimé, il faut que tu aies la précision aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es en train de prier? Pourquoi est-ce que tu es à l'église? Pourquoi est-ce que tu es croyant? Pourquoi est-ce que tu cherches la délivrance? Pourquoi? Et on lui avait dit non. Je les ai entendus dire qu'ils s'en vont où? À Dothan. Voici le chemin de Dothan. On a montré le chemin. Dans notre perfusion, il arrive des fois dans la vie spirituelle, on se retrouve comme on est perdu. Tu ne sais plus comment continuer, tu ne sais plus comment avancer, ni comment reculer. Les choses semblent s'embrouiller. Les gens pensent que non, quand je deviens dans le Seigneur, je suis maintenant dans le Seigneur, tout va être beau. Tout sera comme l'or du blanc au devant de moi. Tout sera en rose. Tout sera illuminé au devant de moi. Il arrive des temps, des temps d'errance, des temps aussi des temps de perdition. Tu ne sais rien, tu ne comprends plus rien où est-ce que tu es. Avec le Seigneur, tu arrives des fois que tu ne comprends pas où est-ce que tu en es avec lui. Tu peux penser que non, je deviens folle ou je deviens fou. Non, c'est normal. À tout le monde, ça arrive. Des zones un peu sombres que tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus te localiser. Dans quel verset? Tu ne sais plus te situer. Ça va arriver. C'est un temps où tu ne sais pas quoi faire maintenant. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Tout semble être troublé. Tout semble être embrouillé. Il est sorti de sa maison, sachant où il allait. Il connaissait la direction de Sichem. Maintenant, ceux qui ne sont pas Sichem, il va continuer comment? Et là, quelqu'un qui errait dans les champs, ceux qui ne connaissaient, ils s'étaient même perdus, ils ne connaissaient même plus le chemin de retour. Des fois, on sait comment on est sorti dans les mondes, mais on ne sait plus comment retourner dans les mondes en question. Alléluia. Et Joseph était quelqu'un de très déterminé. Je ne vais pas rentrer si je n'ai pas encore la solution. Je ne vais pas rentrer sans la solution de mon problème. Je ne vais pas rentrer chez mon père et lui dire que non, je suis parti et je ne les ai pas trouvés à Sichem. Je vais les chercher où est-ce qu'ils sont. Je vais amener les rapports. Quand tu travailles pour le Seigneur, même quand tout semble s'embrouiller, tout semble devenir flou, bien aimé, ne rentre pas en arrière. Les gens vont te dire, laisse faire seulement, fais faillite seulement, laisse tomber, ne laisse pas tomber. Laisse tomber quand Dieu t'a dit laisse tomber. Alléluia. Il ne faut pas abandonner pour abandonner. Il ne faut pas t'embrouiller un chemin. Demande l'intervention divine qui vient te parler. Quel chemin tu vas encore emprunter? Ne retourne pas. Tu n'as pas encore trouvé comment tu vas rentrer. Hein? Dieu veut le Seigneur dans les jeux de prière. Tu vas rentrer seulement comme ça? Non. Ne retourne pas après ces jeux de prière tels que tu étais rentré. Tous ceux qui sont venus vers le Seigneur ne sont pas rentrés tels qu'ils sont venus. Ils sont rentrés avec quelque chose. Qu'est-ce que tu as gagné dans le Seigneur, dans ces jeux de prière, dans cette église, qu'est-ce que tu as gagné? Tu vas voir quelqu'un quitte l'église, il s'en va. Il n'a encore rien trouvé de ce qu'il était recherché. Alléluia. Ne rentre pas. Ne recule pas, tu t'as demandé, ne recule pas. Qu'est-ce que cherches-tu? Tu lui demandes d'abord, qu'est-ce que cherches-tu? On lui a posé la question, il a posé la réponse. Et on lui a dit que non, je les ai entendus dire qu'il s'en allait où? À Dothan. Dieu mettra surtout toujours sur ton chemin. Quand tu ne sais plus quoi faire, il mettra quelqu'un qui viendra te dire quoi faire. Quand tu ne trouves plus le chemin, il enverra quelqu'un pour te montrer le chemin. Quand tout te semble s'embrouiller, ça te semble te s'obscurcir, Dieu enverra quelqu'un pour t'éclaircir. Il y a toujours un ange de Dieu pour nous. Dites qu'il y a un ange pour moi. Il y a des hommes-là ou des femmes-là que Dieu a placé sur ton chemin comme étant des anges. Ces gens-là, ils te diront toujours des choses vraies. Et ils te diront toujours des vérités. Et ils te montreront toujours des bonnes affaires.
C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut avoir quoi? Un mentor. Il ne faut pas être un chrétien qui n'a pas d'encadreur, qui n'a pas de mentor, qui n'a pas de père spirituel. Il est comme ça. Moi, j'ai des personnes. Dieu est mon guide. Quand quelqu'un qui te dit que non, moi, ce n'est pas Dieu, cette personne-là, il est déjà perdu. Là, l'esprit, je savais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te quitter. Alléluia. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Joseph était quelqu'un qui avait des rêves, mais il avait besoin de quelqu'un pour le diriger, pour le montrer le chemin. Qui connaissait plus le chemin? Il arrive que nous puissions arriver à un certain moment où nous ne connaissons plus le chemin. C'est là qu'on a maintenant besoin de mentor. On n'a pas besoin de lui, tout le temps. Mais quand les problèmes arrivent, où on ne sait plus continuer, on a besoin de lui. Amen. Alléluia. Demande à ton voisin, quel est ton mentor? Amen. Joseph, on l'a dirigé. Il est sorti maintenant de Sichem. Il a commencé à aller à Dothan. Arrivé à Dothan, lui, son souci était de voir ses frères, d'apporter les nouvelles, de donner les nouvelles à ses frères, ainsi que du troupeau. Nous avons deux rapports à faire dans nos vies. Rapport de la vie de ceux-là qui sont en train de perdre, et le rapport aussi de ceux qui sont en train de faire. Alléluia. Quand, étant que pasteur, je dois rendre rapport à Dieu de tous les troupeaux que j'ai conduits, ainsi que des fruits de ceux qui sont conduits. Est-ce que leur vie avance? Est-ce qu'ils ont progressé? Depuis qu'ils sont dans le Seigneur, comment est-ce qu'ils évoluent? Quelles sont leurs affaires? Ils sont venus avec des problèmes, est-ce qu'ils ont trouvé des solutions? Alléluia. Tant qu'ils n'ont pas encore trouvé des solutions, ça peut me faire mal. Je dois toujours prier pour ce qu'ils aient des solutions. Il est arrivé, ses frères ont vu de loin. Lui, il a vu ses frères de loin. Ils ont commencé à comploter contre lui. Bien aimé, même de loin, tes ennemis, ils vont toujours comploter contre toi. Quand tu es un Joseph, un, tu ne vas pas te perdre parce que tu es envers toujours un homme devant toi. Et de deux, quand tu vas te présenter devant de tes ennemis, ils ne vont pas t'applaudir, ils ne vont pas t'aimer, ils vont commencer à comploter contre toi. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas encore parlé. Il n'avait pas encore posé une question. En distance seulement, on le voit. Les sorciers te voient en distance. Dès que tu as parlé de leur territoire, ils te voient. Ils tentent. Ils connaissent que toi, tu es là. Les sorciers de ce quartier, Simon Bellevue, ils nous connaissent ici. Amen. Les sorciers de ta famille te connaissent. Dès qu'ils te voient en distance, les gens, ils te haïssent. Pourquoi on l'avait haï? C'est parce qu'il avait des rêves. À cause de tes projets, de tes ambitions, de tes rêves, de tes songes, les gens vont te détester. Même s'ils te voient seulement à distance, pour eux, ils ne te voient pas, ils voient cette chose-là. Toi, tu peux te voir que non, je n'ai rien. Mais eux, ils voient ce que toi, tu as à l'intérieur de toi. Ils voient la bénédiction que tu portes. Ils voient la joie que tu as. Ils voient ce que tu apportes. Ils ne sont pas contents de toi du tout. Ils ne vont pas te laisser aller, ils ne vont pas te laisser respirer, ils vont chercher à t'attaquer. Mais reste calme, sois attentif seulement à Dieu. Reste calme à la volonté du Seigneur. Ils s'avançaient et ils complotaient déjà, ils faisaient des réunions. Laisse faire toutes les réunions qui se font contre toi soient anéanties et soient dispersées au nom de Jésus. Que millions de tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. C'est pourquoi dans nos prières, des fois nous prions que non, Dieu puisse disperser nos ennemis. Ils sont venus à ce chemin, qui rentrent à ce chemin. Ils étaient en réunion, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Et celui qui était le moteur, qui donnait les idées, qu'ils soient obscurcés, embrouillés au nom de Jésus. Que ses pensées soient frappées des paralysies au nom de Jésus. Qu'ils comprennent plus ce qu'il est en train de passer. Alléluia. Ils se sont concentrés à une fraction de seconde. Ils ont parlé, les gens ont fini la réunion. Les sorciers sont rapides en réunion de destruction. Quelqu'un dit, tes voix étaient loin, et les gens y communiquent. Et ils sont en unité. Les sorciers de tel quartier, de tel quartier. Les fils de Léa, les fils de Bila, les fils de Zilpa. Ils se sont concertés, ils étaient en communion. Mais ils n'aimaient pas les fils de la chair. Les ennemis de ta famille, les ennemis de ta famille qui viennent de tes oncles, tes tantes, tes côtés maternels, côtés maternels, ils sont tous en communion. Ils font tous en bloc. Ne pense pas qu'ils sont divisés. Ils sont unis. Quand ils s'agit de détruire, ils vont se mettre ensemble pour t'attaquer. Toi, tu vas dire que non, moi je suis déjà dans le Seigneur. Joseph, il était où? Il était dans les diables. Joseph était dans le Seigneur. Les gens qui m'étonnent, qui me disent que non, ah, moi je suis déjà dans le Seigneur, on ne peut pas me toucher. Tu te trompes. Tu te trompes. Joseph, tout un enfant de Jacob. Jacob qui était béni de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.
te connaissent très bien. Même s'ils sont à votre village là-bas, où t'es mort, l'oubéro, à qui pêcher là-bas, ils vont se réunir pour t'attaquer. Ils sont, je ne sais pas, là-bas, au Parc Congo, ils vont t'attaquer. Ils sont, je ne sais pas, à la FICA là. Ils vont se réunir. FICA, Yaki, FICA, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai oublié le nom de FICA. Amen. Ils vont se réunir tous. Ils vont t'attaquer. Ils te voient, ils te connaissent. Ils connaissent ta bénédiction, ils connaissent ton destin. Mais les mecs ne font jamais négliger les sorciers de ton entourage. Les sorciers de ton entourage, ils te connaissent très bien et ils sont les plus dangereux. Ceux qui sont plus près, ils sont plus dangereux que ceux qui sont éloignés. Et ceux qui sont plus près, c'est eux qui donnent les nouvelles aux plus éloignés. Les sorciers de ta famille, ils vont donner les sorciers de ton avenir, le rapport aux sorciers de ton avenir pour t'attaquer. Les sorciers de ton pays, ils vont me donner le rapport aux sorciers du pays là où tu es. Les sorciers du Congo, ils vont donner le rapport aux sorciers du Canada. J'en ai là-bas, il faut aller la chercher. Alléluia. Ils te regardent, ils savent donner le rapport et ils respectent les hiérarchies. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas respecter les hiérarchies. Ils se sont concertés pour nous, s'ils étaient des enfants des rivales. C'était considéré qu'ils ne s'attendaient pas. Que les enfants des Sipa soient avec les enfants des Sipa. Les enfants des Pila soient avec les enfants des Pila. Les enfants des Léa soient avec les enfants des Léa. Mais non, ils se sont tous mis ensemble. Enfants des Léa, enfants des Sipa, enfants des Pila, tous contre, enfants des Rachel. Contre Joseph. Ils vont se concerter, que tu aimes ou pas. C'est pourquoi quand on fait les prières, dire que la sorcellerie du côté paternel, du côté maternel, on les met tous ensemble. Et quand tu es marié, tu fais quoi? Côté paternel, côté maternel, côté marital. Amen. Du côté de mon mari. Parce que vous êtes déjà uni avec ce mari-là. Vous êtes déjà uni avec cette famille-là. Amen. Maintenant, quand tu puisses seulement de ton côté paternel, mais côté marital là-bas, des démons rentrent. Bloquez-les. Dis à ton pasteur, je bloque. Je me rappelle un jour, vous avez monté une photo sans dire que je bloque. Amen. Je bloque. Il faut bloquer. Arrivez à bloquer tous ces démons-là qui ne peuvent pas avoir les dessus sur toi. Joseph lui a dit, ces gens-là, ils étaient prêts à faire des réunions. Et puis, ils ont fait semblant. Vous savez, les sorciers, ils vont te calomnier. Quand tu arrives, ils vont te dire, ah, salut, ça va, Nadia? Oh, ouais, tes cheveux sont beaux, hein. Comment était ta journée? Ah, tiens, bon sourire, Nadia, tiens, bonne mine aujourd'hui. Il est temps de te parler mal contre toi. Mais ils te voient maintenant, puis quand tu les appelles, ils sont tous gentils. Ils viennent de faire la réunion là-bas. Peut-être même qu'ils sont en réunion, comme tu ne les vois pas. Ils sont en réunion, mais ils commencent à parler gentiment. Mais ils sont en train de faire des comportements contre toi. Envoyer des démons, des maladies, comme maintenant c'est l'hiver, allez, accident avec la neige, rime, grippe extraordinaire, qui n'a jamais existé au Canada avec les mains. On va dire, ah, il a poigné une grippe, je ne sais pas comment, et puis il est mort. Ah non, il a fait l'accident, il a dérapé. Ce n'est pas le dérapage, dérapage de ces démons. Alléluia. Dites Seigneur Jésus, j'anéantis les mauvais projets de mes ennemis. Je disperse tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ qui ne mourront pas dans le nom de Jésus. Je vais arriver à 2020 dans la paix dans le nom de Jésus. Amen. Hein? Il faut refuser. Disperser les réunions. Ils se communiaient, ils s'attendaient, ils étaient en bloc. Dispersez-les. Que l'enfant des Sipa soit fâché contre l'enfant des Pila. Que l'enfant des Pila soit contre l'enfant des Léa et qu'ils ne s'attendent pas. Ah, lui, il pense quoi? D'ailleurs, nous sommes nombreux que eux. Et ils se pensent quoi? Ils sont enfants des esclaves, des servantes, et nous sommes des enfants de la femme légitime. Qui ne s'attendent pas qu'il y ait des discordances d'idées entre eux, qu'il y ait des divisions entre eux, que Dieu disperse leur réunion. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ils viendront à un seul chemin, ils rentreront à sept chemins. Ils se communiquaient, ils s'attendaient, ils se réunissaient. Qu'ils soient dispersés, chacun prend son chemin, il est fâché contre l'autre, il est fâché contre l'autre, allez, il s'en fout, il se disperse. Plus ils se dispersent, ils n'ont plus la force. L'union fait quoi? La force. Mais s'il n'y a plus d'union, il n'y a plus de force. Que Dieu sème la désunion dans les rangs de nos ennemis au nom de Jésus. Qu'ils ne s'attendaient pas, là où ils s'attendaient, qu'ils ne s'attendaient plus, là où ils se comprennent, qu'ils ne se comprennent plus, là où ils étaient unis, qu'ils ne soient plus unis. Oh, ici, il complotait à faire quoi? À faire tuer Joseph. Roubaix a entendu ça. Roubaix était l'un des plus vieux, l'aîné de Jacob. Il a trouvé que ce n'était pas une bonne idée de tuer l'enfant. Mais quand même, c'est notre frère. Dieu a commencé à travailler. Quand Dieu a l'intention, il a le projet avec toi. Dieu va faire toujours à ce que tes ennemis soient divisés.
Alléluia. Et que tes ennemis ne puissent pas avoir la même pensée. Il va essayer de les désunir. Il va essayer de les contourner. Il va essayer d'échapper ta vie à la mort. Dites que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Même si tu es en train de passer comme difficulté, bien aimé, c'est un cheminement, mais tu ne pourras pas. Ce que je vais te garantir aujourd'hui, tu ne pourras pas. Tu vas survivre et tu vas dépasser cette situation-là. Ils sont pas pour ça passer, ils ont dit non, on va les tuer. Ils ont même avait dit non, ne les tuons pas, c'est notre frère. Mais jetons-le dans la citerne. Amen. Il a préféré les mettre dans la citerne plutôt que de les tuer. Vaut mieux passer comme dans une fosse, comme dans une tombe, que de mourir en réalité. Alléluia. Vaut mieux être rabaissé que d'être tué. On te rabaisse aussi, on ne t'a pas tué. Tu vas encore te ressortir. Amen. Si on t'humilie, on te rabaisse, on t'écrase, c'est pas grave. Roumain a voulu d'abord qu'on le mette dans la citerne, il maintenant les faire sortir pour les faire retourner chez son père. Mais les autres, ils ont pris le projet, ils l'ont mis dans la citerne, ils l'ont mis dans la gouffre. Il était dans l'espace visible, on l'amène pour le mettre dans l'espace invisible. Il était visible, il était encore en haut, on a voulu le mettre trop bas. Amen. Alléluia. On l'a mis dans une citerne qui était vide et qui n'avait pas de l'eau. On l'a fait rentrer dans la terre. Rentrer dans la terre, la tombe, on creuse d'abord, on rentre dans la terre. C'était comme si on l'avait déjà enterré. Alléluia. Il arrive des fois dans la vie où on se sent enterré. On se sent éliminé. On se sent écrasé. On se sent étouffé. On se sent éliminé. On se sent disparaître. Des situations, quand tu es un Joseph, tu vas raconter aussi les situations catastrophiques. Ne pense pas comme tu es Joseph, tu vas raconter toujours la vie en rose. Tu vas aussi raconter les difficultés. Tu vas aussi raconter les situations où on t'écrase, on t'élimine, on veut t'effacer. Mais cela ne veut pas dire que tu seras effacé. Dieu a un projet avec toi. Tant qu'il n'a pas encore dit un mot, tu ne mourras pas. On peut te rabaisser. Te rabaisser n'est pas te tuer. Tu ne vas pas mourir. Laisse à ce qu'on t'écrase. Laisse à ce qu'on t'enterre. Laisse à ce qu'on te considère comme mort. Qu'on te considère comme rien et inexistant. Mais sache qu'au temps de Dieu, tu sortiras. Alléluia. Au temps marqué de Dieu, tu sortiras. Il y a un temps où on semble mourir. Toi-même, tu te sens que non, je ne vis plus. Je n'ai plus le sens. À quoi bon ma vie? Ma vie n'a plus de sens. Ta vie a disparu entre les yeux des gens. On ne te voit plus. Tu es dans la fosse. Même les passants ne vont plus te remarquer. Quelqu'un qui est dans la tombe, on ne le voit plus. Il arrive des temps où on semble mourir, mais on n'est pas mort. Tu es dans une fosse, mais tu n'es pas mort. Tu es dans une fosse, mais pas dans une tombe. On l'a mis dans une fosse, dans une citerne, mais ce n'était pas une tombe. Il était vivant. Il pouvait respirer. Parce que la citerne, il y a encore l'air qui arrive. Dans la tombe, il n'y a plus de l'air qui entre. Mais dans la citerne, dans les puits, il y a encore le temps de le moyen de respirer. Joseph s'est retrouvé à Dothan, dans un territoire de deux puits. Donc, un territoire de puits, de citernes. Un territoire dangereux. Il nous arrive d'arriver dans les citernes, dans un territoire dangereux. Où quand tu mets un pas, tu tombes dans les trous. Tu peux arriver à tomber, tu entres dans un trou. Mais quand tu vis encore, bien aimé, tu vas sortir. Si tu as ton voisin, je sortirai. Tu peux entrer dans une situation, tu te trouves dans un trou. Tu ne sais plus comment sortir. Tout ce que tu vois, il n'est pas le cas du mal de toi. Et les gens qui t'ont mis dedans, ils sont contents. Ils pensent que tu es fini. Tu n'es pas encore fini. Attendons voir la volonté de Dieu. On pense t'éliminer, on pense t'écraser, on pense te faire du mal. Bien aimé, tu n'es pas encore fini. Je viens parler à quelqu'un, tu passes une impasse, tu passes dans un puits, tu passes dans une citerne, mais ce n'est pas ta fin, ce n'est pas encore la fin. La finalité des choses, c'est Dieu qui va déterminer. On va te tuer, mais tu ne mourras pas. Dieu va changer leurs pensées, Dieu va changer leurs idées. La vie de quelqu'un qui vous pensez me faire du mal, mais je vais changer cela en bien. Dieu va changer. Ta situation, à un certain moment, ça va changer. On a toujours dit quoi? Ça va changer. D'un peu de temps, ça va changer. Alléluia. Ça va changer. C'est pas la fin du monde. Ce que je traverse, c'est un temps. La citerne où je suis, c'est pour un temps.
remonter. Ces gens-là qui pensaient te tuer, eux-mêmes vont te remonter pensant qu'ils vont, sont en train de bien agir. Mais au moins, Dieu peut te faire échapper de la mort. Que Dieu vous bénisse, on va continuer demain. Alléluia.